La petite pied à l'envers sur deux jambes. On enroule le tissu par l'intérieur de la jambe au-dessus, au-dessous. On laisse glisser les bras, plie les genoux. Continue ta bascule. Et la place bien, en ouvrant les pieds, place bien ton tissu au milieu. Pour remonter, on peut s'aider en attrapant le tissu à l'intérieur des genoux. Et à partir de là, on monte les genoux et on repousse le bassin vers le haut. Donc la tête pied à l'envers sur une seule jambe. On enroule le tissu par l'intérieur de la jambe. On va se laisser glisser. Et là, on gardera son pied bien flex, très important. Et on fera très attention de ne pas faire glisser le pied sur la droite, mais de le mettre à gauche pour bien le bloquer. C'est ce qui fait le nœud. Si on laisse son pied partir à droite, on n'a pas de nœud et donc on glisse. Garde une main sur le tissu pour s'aider à remonter. Seul pied, quand on est là, il ne faut pas partir le pied à droite du tissu, mais le mettre à gauche, à l'intérieur. Et là, comme elle avait les tissus ouverts, hop, elle a mis le pied à l'intérieur. Si c'est pas une chute, c'est pas important d'avoir les pieds flex ou pointe parce que ça tient. C'est serré. À partir du moment où ton nœud, à partir du moment où ici, tu vois, moi ce que je dis c'est qu'il faut avoir le tissu là. Parce que si le tissu est là, des fois ça a tendance à se desserrer. Si le tissu est bien là au milieu, la pression fait que ça serre. Tu vois? Normalement, même en pied pointe, bon, moi j'ai jamais vu d'accident. Maintenant, si c'est une chute, d'abord, je ne conseille pas de faire avec cette première version de la clé qui est moins sécure. Je conseillerais de faire avec celle-ci, celle qui a fait carreau. Celle-ci. Tu n'arrives pas à la faire avec les mains. Tu la fais avec les mains. Hein? Celle-ci, tu peux vraiment faire une chute.